Roux, pardonnez-moi, vous parliez, vous évoquiez à l'instant le secteur pétrolier. Est-ce que ce n'est pas aussi le prix à payer? On parle de 3 mois seulement pour le moment. Le prix à payer pour se donner une chance, pour donner une chance aux Européens de se faire entendre? Écoutez, je pense que il faut pas mélanger les Européens et l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leurs propres intérêts, puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens et bien sûr des milieux d'affaires. Donc là, effectivement, l'Union européenne fonctionne bien, puisqu'elle a permis aux États-Unis, qui ont créé l'Union européenne, de faire prendre des décisions qui vont contre les intérêts des nations européennes, que ce soit dans le domaine de l'armement pour la France, qui est capitale, dans le domaine pétrolier, qui est capital pour toutes les majors pétrolières européennes. Et même, il faut voir une chose, c'est qu'appauvrir la Russie, ça, c'est extrêmement nuisible pour l'économie européenne, puisque l'Union européenne, enfin les Européens en général, ont besoin d'une Russie riche qui puisse leur acheter des produits manufacturés, et notamment en Allemagne, et notamment en France et en Italie. Pascal Joannin, j'aimerais avoir votre réaction. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Avant cela, une réaction, celle d'Angela Merkel qui vient de tomber. On connaît les réticences des Allemands, on sait qu'ils font partie des plus frileux dans ce dossier. Eh bien, Angela Merkel vient de reconnaître que ces sanctions étaient inévitables pour pousser la Russie vers une désescalade dans le conflit en cours en Ukraine. Ce que vient de dire Xavier Moreau, je vous ai vu sourire. Oui, parce que je trouve une certaine candeur dans ces gens qui font des affaires et qui font des affaires sans se poser des questions. Je pense que si Monsieur Moreau avait sa femme et son fils qui étaient morts dans l'accident, il serait certainement plus réceptif aux sanctions, parce que les sanctions, elles ne sont pas simplement une volonté de sanctionner de la part de l'Union européenne, qui n'a pas été créée par les États-Unis. Elles ont été créées par 6 pays fondateurs. Je peux vous citer le nom de Robert Schuman, Konrad Adenauer. Pour moi, ils ne sont pas américains. D'une part, et d'autre part, c'est bien parce qu'en effet, il y a de la part de la Russie une terrible mauvaise foi, alors on peut faire des affaires avec... Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secrets défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, Das Neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne et qui a eu lieu en 1941 à Paris, au Grand Palais, inauguré par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome, traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957 à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment,
Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial.